Des témoins vivant dans la capitale congolaise ont rapporté des faits d'une affaire, d'une nouvelle affaire, d'un crime crapuleux. Des policiers qui ont violé puis assassiné plus de 6 jeunes. Pour certains, ils seraient des militants de droits de l'homme et activistes contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Certains y voient déjà un calendrier rythmé par des sacrifices humains, comme cela s'était produit au PSP de Chapona. Un crime qui a été commis sous les ordres de Jean-François Ndengue. Ce demi-frère du dictateur congolais est aussi impliqué dans plusieurs affaires de crimes contre l'humanité, dont celui de l'affaire du Beach de Brazzaville où près de 25 000 personnes disparurent dans les conditions non élucidées. Il participa également dans les bombardements dans la région du Pou, où plusieurs familles ont été endeuillées. 6 jeunes meurent dans un commissariat de Brazzaville. Un nouveau scandale à l'horizon.